Je vous parle du centre d'identité, particulièrement de son botin centralisé. Alors, pourquoi le botin À qui s'adresse-t-il Comment le consulter Il en sera question dans cette capture vidéo. Euh, vous retrouverez évidemment le centre d'identité, une application web, à l'adresse identite.csvdc.qc.ca. Allons donc immédiatement euh, à cette adresse sur ce site web. Euh, D'entrée de jeu, je vous dis que le bottin n'est disponible qu'aux membres du personnel de la Commission scolaire du Val-des-Serres. Malgré que sur la page d'accueil, avant même de s'authentifier, il y ait un raccourci qui nous invite à chercher dans le botin. Dès qu'on tente de le faire, on se fait demander de s'authentifier. Alors à ce sujet, soyez rassurés, les informations que vous allez y insérer ne seront disponibles qu'à l'interne. La plupart des gens vont euh, s'authentifier en utilisant la page d'accueil de cette façon-ci. Euh, à ce moment-là, le bottin, lui, sera disponible par l'intermédiaire de ce petit bouton dans le coin supérieur gauche. En appuyant dessus, on a le champ de recherche qui nous permet de trouver des personnes, des établissements et des services administratifs. Les personnes se trouvent dans ce champ-ci les établissements et les services administratifs dans celui-là. Alors, par exemple, si je voulais trouver des informations au sujet d'une école, d'un établissement ou d'un service administratif, je pourrais utiliser ces champs ou tout simplement lancer la recherche pour trouver la totale des informations qui s'y trouvent. Alors, vous voyez les noms des écoles qui sont là. À tout hasard, je prends l'école Sainte-Famille. Il n'y a pas encore d'informations ou de photos euh, associées à cet établissement, mais ça devrait être complété pour l'ensemble des établissements sous peu s'y cachait aussi, euh, sans qu'on l'ait vu, là, des services administratifs. Alors, en plus des établissements, au même endroit, on a les services administratifs, par exemple le service des transports. À cet endroit-là aussi, les informations ne sont pas encore complétées, mais ça devrait être fait rapidement. Alors, il est très pratique de savoir qu'on peut trouver ces informations aussi dans trouver un établissement. Et puis, ben, pour les personnes, ce qui va constituer, à mon avis, les recherches les plus fréquentes. Je peux chercher évidemment par prénom ou par nom de famille si je sais qui je cherche. Mais en plus de ça, euh, par exemple, je cherche à recevoir des services en lien avec euh, Riapo. Je ne sais pas qui est le Riapo ou la Riapo de mon école. Je, je suis nouveau dans une très grande école. Alors je n'ai qu'à lancer la recherche et je vais avoir, parce que tous les Riapo ont se donné le mot d'ordre d'associer ce mot-clé-là à notre profil, alors je vais avoir la liste de l'ensemble des Riapo. Euh, si on prend à tout hasard euh, la première de la liste, Marie-France Alain, eh bien, euh, je vois même sa photo. Je sais à qui m'adresser dans l'école, surtout si je suis dans une très grande école, parce que Marie-France a eu la bonne idée d'ajouter son avatar, particulièrement pertinent quand on est en service auprès de plusieurs autres personnes. Euh, je peux voir d'autres détails aussi à son sujet. En fait, je peux tout voir ce qu'elle a bien voulu insérer dans son profil et c'est à ce sujet que je veux attirer votre attention, autant pour les mots-clés qu'elle a eu la bonne idée d'associer à son compte que, que pour le restant. Ben, le botin va être pertinent et pratique et efficace que si l'ensemble des personnes prennent soin d'aller éditer leur profil comme il est proposé là, dans le cadre des trois premières tâches à faire euh, quand on accède au centre d'identité, en plus de modifier votre question secrète, votre mot de passe, ben, on vous invitait à modifier les informations de votre bottin afin d'en insérer le plus possible. En fait, toute information qui pourrait être pertinente pour les membres du personnel de la commission scolaire qui tenteraient à vous trouver, surtout si vous êtes en service auprès d'eux. Euh, Prenez soin, là, entre autres, d'ajouter des mots-clés, c'est-à-dire n'importe lequel des mots que vous pensez qu'une personne pourrait avoir en tête en vous cherchant pour vous trouver. Là, bien, ajoutez ces mots-clés-là, euh, associez-les donc à votre profil. Et à ce moment-là, notre bottin web sera d'autant plus pertinent et efficace. C'était donc le bottin du centre d'identité. Merci, bonne journée.